Et le septième jour, il leur dit, bienvenue en ce jeudi, le 17 février, dans le grâce 000. Réponse, tout recommence. Alors le vrai change du matin, alors déjà le jeudi, c'est en rêve. En octobre, en ce février, en grosse république, non, en réponse, vite on les répond. Alors le vrai change du matin, c'était que tout le monde récupérait les grains, je crois, les pépins de raisin, les grains de pomme. Hein. Tout le monde se met n'importe où dans la ville. Ça. Et ça avait des légumes, des fruits et des machins gratuits pour tout le monde. Et ça, les gens de la ville, bon bah, ils entretenaient et hop, ça poussait tout le temps. Tout ça. En fait, tout devenait du troc. Et c'était là un futur proche, puisqu'on allait en zéro. Au bout de 2-3 ans, quand tu un peu plus, mais il n'y avait plus de riches, il n'y avait plus de pauvres, puis il n'y avait plus de voleurs. Et tout le monde se troquait tout, l'autre savait faire des pompes, l'autre savait faire un truc, là, tu sais. On oubliait l'argent qui est le mal sur terre. Tu vois. Et c'était chouette parce que même les poulets, ils étaient redevenus naturels. Un poulet, quand il est petit, il vole très bien, comme le canard. En fait, parce qu'on l'engraisse, puis on lui coupe les plumes du nez pour pas qu'il s'envole. Donc après, il peut plus voler. Bon, merci. Et donc, tout devenait à l'ancienne, un petit peu pour tout le monde. Et pareil, toujours l'histoire des parcmètres, je sais quoi. Ils sortaient des lois à voter planétaire. Où chacun, sous le parcmètre, il mettait sa voix. Et ça devenait génial. Et le septième jour, il leur dit. Morceau de rêve de fou. Trop puissant. Trop puissant, le don Camillo du matin. C'est drôle. Mais c'est un temps proche.